Salut à tous, la femme bio, oui, ma bio qui a bouffé la tontine qui est actuellement à la maca. Le jugement a eu lieu aujourd'hui et malheureusement, ma bio, pendant son incarcération, a envoyé notre avocat. Et ensuite, tenez-vous bien, le procureur en charge de l'affaire a demandé au juge une peine d'emprisonnement de 12 mois pour ma bio. Bon, là, je sais pas, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a du ciel. Je suis en prison et puis bon, ce n'est pas la peine. Bon, on est secrétaire général Makosso. Les détails. Ça, c'est le nouveau mot de son Abidjan. Makosso certifie ça. Aujourd'hui, là, on ne dit plus à quelqu'un j'ai moyen ton argent. On dit j'ai ma bio ton argent. Donc, ma bio, maman n'a d'okoun, femme, t'es vendeuse de thé. On appelle les thés bio, comment on appelle les thés là? Les biotox, je sais pas quoi, les thés bio détox. Ma bio a laissé les thés pour aller couper vente. Tous les acheteurs de thé disent, bon, comme tu nous as monté la route, on va suivre maintenant cette route-là. Grand manger de Tokounou, elle a lapé l'argent des Zagba, des Strator et d'Apuchou. Un matin de bonheur, on est assis sur la toile en train de réfléchir comment attraper Altamira Cecilia. Vive Aya Robert. On est en train de réfléchir comment on va attraper la voleuse qu'on appelle Mada. On réfléchit, on ne trouve pas de solution. On a peur que ma bio est dans les cellules de la police économique. Mettez les cœurs, partagez le direct. M'a pris l'argent de tontine. C'est pas une tontine, c'est pas deux tontines, c'est pas trois tontines. On ne sait même plus comment. On nous parlait d'abord de 14 millions. De 14 millions, c'est passé à 50 millions. Des 50 millions, ah, Poutou nous annonce que c'est une affaire de 60 millions. Dans ça, une femme appelée Maman Jésus. On l'avait baptisée la dernière de la classe. Aya Robert, qui est aujourd'hui devenue la première de la classe. C'est lève un matin, on n'est qu'à faire cotisation pour quelqu'un qui vient de prendre plus de 60 millions. Aya Robert nous demande, on n'est qu'à cotiser pour millionnaire. Nous les pauvres, nous les enfants de Poignon, nous les enfants d'Abobo, on se pose la question de savoir comment nos enfants vont mettre demain. Maman Jésus, Aya Robert nous dit, on doit cotiser pour ma bio. Ma bio dit, je ne prends pas votre argent, vous, on va en chier dans votre tête. Aya Robert dit, non, c'est pas grave, c'est pas de sa faute. On nous amène à cotiser. Malgré la cotisation, on l'a déféré, on dit, ma bio, ça va à la maca. On est assis maintenant par terre, on dit, non, on va la juger mardi. De mardi, ça vient maintenant mercredi. Donc aujourd'hui, mercredi, on attend le jugement de ma bio, on a cotisé 2 millions, on va prendre les gens de donner à Zaba le requin, on va donner à Estrator et on va donner à Puchou. Pendant que nous sommes assis, on est en train de réfléchir comment on va faire sortir ma bio parce que tout simplement elle a des enfants. Ma bio en étant à la maca fait note vocale. Hey, non, mais il y a des gens qui sont sauvés dans le pays. Là. Ma bio, il y a dit. Il n'y a pas quelqu'un qui a giflé la fille. Il n'y a pas quelqu'un qui va la frapper. Il n'y a pas quelqu'un qui va me battre. Écoutez, écoutez. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Ma bio, d'abord, elle est au palais de justice. Pendant qu'on est en train de négocier, comment faire sortir ma bio? Ma bio fait annonce sur sa page Facebook. À 20h, je vais faire direct. Ça a énervé le procureur. Affaire de direct là. Non, les gars, mettez les cœurs. J'ai dit mon cœur chaud. On dirait que j'ai envie de manger quelqu'un. J'ai dit, ma bio n'est pas sortie. Ma bio est retournée à la maca. Ma bio devait sortir aujourd'hui. Ils ont ramené ma bio à la maca. On dit, ma bio, je viens. Vous êtes pressé pourquoi? Ne soyez pas pressé. Je vous donne une minute pour tapoter. Pause tapotage. Pour sécuriser le direct du général Camille Makosso, et puis tu redis encore vendredi pour que je décide de la peine qu'on doit te donner. On appelle ça la comment? De vous à moi. Je suis de passé. De vous à moi. Ça, on appelle ça comment? De vous à moi. Mais j'ai dit, ils ont signalé le live. Le live vient de signer. Je vais vous casser un papot rapidement. Je vais vous dire aujourd'hui si ma bio sera libérée ou pas. Je vais vous casser un papot très dangereux. S'il vous plaît, je vais vous casser un papot. Tous ceux qui envoient les cadeaux, que Dieu vous bénisse. Ils ont ramené son corps avec son BBL à la maca. Or, le BBL a besoin d'un traitement. Si ma bio fait exactement 12 mois à la maca, on est capable de faire sortir son corps. Hein.
Parce que ma bio a besoin d'un traitement. C'est-à-dire, le bébé est là. On doit toujours traiter, traiter, traiter. Donc, si on ramène son corps pour un an, 12 mois à la maca, bébé est là. Ça a devenu comment? Ça a pu être BBL. Ça a devenu BBWL. Ça a devenu BBZ. Ça a devenu BBA. Ça a devenu BBB. C'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ma bio? Actuellement, je vous demande, ma bio doit prendre un jeune jeudi et vendredi. Je sais qu'elle m'écoute. Si jeudi, vendredi, ma bio n'est pas en jeûne, je vous juge que quand ma bio va arriver, ils vont lui donner 6 mois de condamnation ferme. Écrivez ce qu'il dit, hein. Écrivez bien ce que je vous dis là. Parce que quand le procureur dit 12 mois là, on coupe souvent la peine en deux. Oui, monsieur, le procureur avait demandé 12 mois, mais si pendant les 2 jours, on entend encore la voix. Parce que la fille, elle est bête. Elle est capable d'appeler quelqu'un. Allô, mais faut pas dire à quelqu'un. Mais à qui ma bio envoie les messages et ces personnes viennent la vendre? Vous allez vérifier, c'est une porclée. Ma bio aime toujours parler avec les petits djangi, les petits porclés, les petites sorcières. Ça veut dire, les petits filles sales, bizarre, là. Elle ne connaît pas sa valeur. Elle ne connaît pas sa place. Ma bio veut pas changer. Elle veut toujours rester dans l'esprit de Dokunu avec les petites, petites filles, là. Ça, elle envoie un message. Et ma bio, la vieille même amené un message, hein, à tête est transférée. Mais faut pas dire à quelqu'un. L'autre se envoie. Et ma bio a parlé, hein. Mais faut pas dire à quelqu'un. L'autre envoie un message. Ma bio a parlé. Faut pas dire à quelqu'un. Quand ça tombe maintenant dans le téléphone d'une sorcière, blic, la sorcière dit, OK. Elle dit, faut pas en parler. Attends, mais ça suit snap. Donc, c'est pour vous rassurer que ma bio va bien. Elle m'a envoyé un message parce que tout le monde veut buzz. Tout le monde veut visibilité. Donc, quand il y a une affaire, tout le monde dans la visibilité veut la visibilité. Donc, si quelqu'un ressort tout de suite une autre vocale de ma bio, pourquoi on parle de la personne va faire sortir. Même le serpent, pour changer sa peau, il se cache. L'ours connaît ce qu'on appelle la période d'hibernation. Le lion fait ce qu'on appelle la retraite. Pour changer, le même l'aigle rentre dans le rocher, il casse ses plumes, il change son plumage et quand il sort, il devient plus beau. La prison n'est pas forcément faite pour te détruire. La prison est aussi faite pour te purifier. Quand on se retrouve en prison, c'est souvent pour te laver. Dieu t'amène en prison pour te faire prendre conscience, soit à un malheur, soit à un comportement que tu dois changer en toi. Moi, là, c'est à cause des femmes que Dieu m'a amené en prison parce que je trompais beaucoup ma femme. Dieu m'a dit, je t'ai béni. Au lieu de faire mon œuvre, tu prends mon argent pour aller mourir les petites filles. Ok, il m'a amené en prison pour me calmer. Oui, moi je l'ai dit. Moi, j'ai pas honte de confesser mes péchés parce que je dois pas à quelqu'un. Il y a pas quelqu'un qui craint quelqu'un. Il y a pas quelqu'un qui vient me dire, non, ma cousine, pourquoi t'as fait ça? Il a giflé ta maman. Et puis ça n'a pas allé quelque part. Ton monde jamais te mettre encore dessus. Donc, quand Dieu t'a fait passer par une épreuve, c'est pour t'amener à réfléchir. Mais nous, on traverse des épreuves, on n'est pas conscient. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Permettez-moi de m'adresser à vous comme un père. Je veux m'adresser à vous comme un père. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas dans la vie. Avec qui tu marches? Qui sont ceux qui ont mis ma bio dans le problème? Ce sont ses fréquentations. C'est quelqu'un avec qui elle marche. À qui elle a amené la note vocale et la personne a diffusé. La personne a vendu ma bio. Finalement, on veut donner 12 mois à ma bio. À cause de quoi? Camaraderie. Mes amis, je vous pose une question. Répondez-moi s'il vous plaît. Qui veut réussir dans sa vie? Je me mets à genoux devant Dieu. Je me mets à genoux devant Dieu. Je prophétise sur tous ceux qui vont être moi. Je déclare sur vos vies que cette année 2024 ne finira pas sans votre réussite. Je prophétise que tout ce que l'ennemi prépare contre votre vie est annulé dans le nom de Jésus. Mes amis, avec qui vous marchez? Je vous pose la question. Qui sont vos amis? Quand vous prenez votre téléphone, quand vous êtes en train de regarder dans vos répertoires, dites-moi s'il vous plaît, qui est dans votre téléphone? Des moins que rien, des pauvres, des camarades qui sont toujours là. Allô, ma chérie, il y a affaire, oh, il y a un Congo, ça, ma chérie, tu es où? Calme-toi. Hmm? Oui, c'est ça. Oui! Moi, je connais le béret, j'ai tout expliqué. Et puis, quelqu'un a le pouvoir de prendre 1 heure de ta vie. Pour te parler de la vie de quelqu'un d'autre. Il y a des gens avec qui on ne marche pas dans la vie. Comment ma bio peut être dans problème? Et quelqu'un va mener sa note vocale jusqu'à ce que le juge dise, le procureur demande 1 an de prison ferme. C'est-à-dire, le procureur aurait pu dire, ils ont trouvé un terrain à l'amiable, elle a rassemblé au moins quelque chose dans le cadre de cette affaire, je vais l'aider, on va plaider, monsieur le juge, je demande 6 mois de sursis,
pour lui donner le temps de travailler et de rembourser aux autres. Mais si le procureur demande 12 mois, c'est qu'il est énervé. Mes amis, tous ceux qui veulent réussir, je vais vous demander de m'amener un seul message sur mon WhatsApp.